Donc les canailles, franchement, il y a quelques belles choses ce soir. On commence caliente. On part niveau Rio de Janeiro. Les gars, on va faire une petite danse là. Pour Kaka, les gars, c'est pas une carte de merde. Kaka, merde, ouais. Je voulais faire le petit jeu de mots, même si c'est vu, revu et que c'est éclaté. Une équipe bronze, une équipe argent, une équipe à 86, une équipe à 87, à 84, à 86, à 87, à 88. Pour Kaka. Kaka, il coûte pas si cher, c'est le prime de Kaka. Mais Kaka, il reste un mois, les gars, Kaka. Kaka, si je ne me trompe point, il va rester 79 jours. Il va rester presque 3 mois, les canailles. Il a le 5 de GT, il a le 4 de mauvais pied. Il a une belle accélération, une bonne vitesse. Après, si vous regardez la finition qu'il a, la puissance de tir, le tir de loin, on compare par exemple avec la carte de Mahrez, juste pour comparer comme ça. Après, il a une bonne agilité, une bonne équilibre. Après, son meilleur poste, on le sait très bien, Kaka, c'est un MOC, c'est un pur MOC. Même à 2 PU, les gars, son body in-game, pour ceux qui ont testé Kaka, ils savent de quoi je parle. Son meilleur poste, ça sera le plus MOC pour qu'il ait un peu plus d'espace. 94 de calme, il a une belle réactivité. Après, il a pas énormément d'agressivité, mais il compense un peu avec la force. Et si vous regardez, il a le tir en finesse, je perds mon latin. Il a l'intuition et le dribbleur technique. Après, c'est qu'il y a vraiment, les gars, Kaka, moi, faites-le si vous kiffez le joueur, la hype et tout, mais sinon, je vous le conseille pas forcément à ce stade du jeu. Parce que la Toti arrive, certains vont dire ouais mais PG il faut le packer le Toti. Il y aura des SBC Toti, j'ai peur que vous faites Kaka et que vous regrettez parce qu'au SBC Toti il y aura des SBC honorable Toti. Et je pense que eh ben vous allez un peu regretter de faire Kaka par rapport aux cartes qui vont sortir pendant la Toti, des SBC honorable Toti. Il va avoir des Toti icons à ce qui paraît, c'est pas impossible qu'il y ait un Toti icon via SBC. Donc voilà, quand tu regardes Mahrez, oui, il a moins de vitesse, mais après, ça se joue un peu, quoi. Mahrez, quand tu vois la carte de Mahrez, bon, c'est vrai que Kaka, il a plus de force. Mais Mahrez, c'est 1m79, 5'4", et Kaka, il me semble qu'il est grand, il est un peu plus grand, il me semble, Kaka, si je me trompe pas, et ça y fait in-game. Et c'est pour ça, 1m86, et c'est pour ça que Kaka, il n'est pas aimé par tout le monde. Il faut vraiment ce qu'il est. Moi, je déconseille pas la carte de Kaka, parce que c'est Kaka, ça fait plaisir, c'est la hype, c'est prestigieux. Mais il reste 80 jours, fais-le si t'aimes le joueur, si tu veux jouer la méta, etc. Il y aura tellement de SBC pendant la Toti que tu vas faire Kaka et tu regretteras d'avoir fait Kaka. Surtout que des alternatives à Kaka, hors Toti, il y en a. J'ai pris exemple de Mahrez ou autre. Donc je vois pas l'intérêt. On va aller en boutique, voir ce qu'il y a. On me dit qu'il y a des choses, on va aller dans les objectifs. Ne vous inquiétez pas, je relancerai le jeu. À ce qui paraît, il y a un écran d'accueil aussi, mes canailles. Pack en promo, le pack bilan saison 2. Un joueur VLG. FIFA World Cup en route pour la finale World Cup. Histoire FIFA World Cup, phénomène. Toti, FIFA World Cup garantie plus 24 joueurs rares. Cet événement ne sont pas échangeables. Ça, c'est fait, les gars, pour vider vos clubs. Je ne vous conseille pas de le faire à ce stade du jeu, les gars. Et en plus, vous aurez très peu de chances d'avoir une grosse carte. Et voilà. Je vous conseille pas, les frères. Vraiment, je vous conseille pas, mes canailles. Après, si vous le faites, je vous l'ouvrirai en live. Mais je vous conseille pas, mes canailles. Et ceux qui le feront, je vous dis pas mes canailles, je vous dirai mes pigeons. Hein. Donc voilà, il y a un nouveau truc qui est sorti, mes canailles. Réussissez une fois le DCE, renfort connexion quotidien. Réussissez deux fois et à chaque fois tu gagnes un pack 5 joueurs 80+, un pack joueur or 84+, un pack de joueurs 83+, un pack 5 joueurs 80+, un pack 4 joueurs or 84+, 83+, 81+, 83+. Je vous conseille de les garder pour la Toti arrive. Et quand vous avez fini tous les DCE, les gars, vous gagnez un pack 3 joueurs 85+. Ceux qui se demandent comment on fait PG pour le faire, c'est aussi simple que ça, vous allez dans le défi, les gars. Vous allez dans les défis, mes canailles. Vous allez dans les défis, mes sucres d'orge. Et regardez, les gars. Voilà, vous y allez. N'oubliez pas, chaque soir, il y a un renfort 83x10 aussi qui est sorti. Je vous le montre en vitesse en même temps pour ceux qui veulent le faire. Je vous conseille d'attendre la Toti pour les ouvrir et pas de me donner le pack. Et d'attendre la Toti, vraiment. Il demande 3 joueurs 85 minimum et une équipe à 84. Et les gars, le renfort connexion, il doit être... il est loin. Il est là. Voilà, n'oubliez pas chaque jour de le faire. Très important, mes canailles. Parce que sinon, vous validerez pas le défi que je vous ai montré juste auparavant en objectif. Et donc voilà.
Faites attention. Point de qualification, félicitations, vous venez de remporter suffisamment de points de qualification. Ah ouais, bah avec tous les matchs que j'ai fait que rooster tout le monde, donc c'est normal. On va relancer le jeu, voir ce qu'il y a. On va relancer le jeu, les gars. Je sens que la hype monte auprès de la communauté, auprès de mes canailles. On va voir ça, mes vicieuses. Et pourquoi j'ai mis TOTW? On est mardi, on n'est pas mercredi. J'ai mis anti TOTW, je suis une fraude. Et personne me l'a dit, je viens de calculer, on est mardi, on n'est pas mercredi. Je relance, voir le design, je suis une fraude. Oh là là, la Toti, les gars. Oh la hype. Oh la Toti, les gars, le design, il est insane. Début dans 2 jours et 23h, mes canailles. On est 1148, les canailles. Pensez à vous abonner. Pensez à mettre un pouce bleu. C'est gratuit, les frérots. C'est gratuit, mes canailles. Pensez à mettre le petit like, à vous abonner. Je fais comme ça, là. N'hésitez pas à like, à vous abonner. Je sais que vous aimez quand je fais le mendiant. Mais ouais, je fais le mendiant, les gars. Je suis la Esmeralda masculine, les gars. Donc voilà, c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner, à like. Donc voilà, c'était Passion Gaming pour la vie SBC. Et je vous dis à très bientôt, mes canailles, pour une prochaine vidéo. Bye bye.